Et bonjour les chapeaux de paille. Donc on se retrouve aujourd'hui avec cette belle lumière pour pouvoir faire un unboxing. Donc il va y avoir deux versions de l'unboxing. Il va y avoir une version ultra rapide que je vais commencer là dans une minute. Et une version un peu plus posée, un peu plus cool que je referai ensuite pour vous parler des cartes, vous parler du jeu comparé avec la version japonaise que j'ai juste à côté ici. Mais ça sera dans une deuxième vidéo. Donc on est parti pour un unboxing rapide. Parce que ce que j'ai remarqué, donc c'est qu'il y a énormément d'unboxing en ce moment sur la toile. Et donc moi, de mon côté, je suis très curieux de voir les cartes qui tombent et surtout les alternatives. Et donc je me suis dit que finalement, c'était le cas de beaucoup d'entre vous. Donc tout a été coupé, tout est prêt à être ouvert rapidement. Top. Allez, c'est parti. Donc en premier, on a... Ah, superbe, celle-là je la voulais, Perona, je l'adore, c'est un personnage que j'adore dans One Piece. Ensuite... Ah. Donc celle-là, on enlève, on va faire que les brillantes. Usopp, ok. Et ici, notre ami Page One. Celle-là, donc c'est la plus rare. Ah, on a un leader. X-Drake. Et donc je garde la plus rare pour la fin de la vidéo. On va essayer de faire comme ça. Ah, bon, ok. Donc ça, c'est un leader alternatif, c'est sûr. Ok, bon. Allez, je le dévoile. Voilà. Voilà, c'était sûr. Voilà, tu vois. Donc on a ça maintenant. Donc je vous la dévoile maintenant. Superbe. Bon, bah, Oden. Allez, c'est le plus beau, je trouve, au niveau des alternatives. Mais honnêtement, c'est pas celle que je souhaite, les leaders alternatifs. Et donc, ulti. Hop, on met notre Oden ici. Allez, on continue. On essaie d'aller vite. Maintenant, donc c'est parti pour dévoiler les cartes qui peuvent être potentiellement intéressantes, donc les SR, les et l'alternative. Donc il y a potentiellement, en fait, dans chaque display, vous avez deux alternatives, une secrète éventuellement, ou sinon deux alternatives et que des SR pour le paquet. Donc on va avoir la première, donc notre ami Oden ici. Voilà, très sympa. On voit avec les effets, j'en profite de ce matin là, alors un beau soleil pour vous présenter ça.
Donc Oden. Ensuite, on va avoir une rare, Okiku. Les rares, on va les mettre ici. On va avoir King en super rare. Donc ça, c'est pas l'alternative. Voilà. Donc pour le deck violet avec Kaido. Bartholomew, ah Kuma, celle-là est sympa aussi, je l'ai joué, là je la joue dans mon deck bleu, donc une rare, ok, ici. Kozuki, non, Kinemon, Kinemon en super rare. Voilà, celle-là aussi elle est bien dans le deck vert. Jack, une rare. Momonosuke. La troisième, Mihawk. La Nami. Je devrais le sentir normalement à la texture que j'ai ou pas une rare alternative. Doflamingo. Une autre SR, donc Zoro. Celle-là sympa pour le deck rouge. Une autre SR, super, Monkey D. Luffy. Donc vous avez vu, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, une rare Black Maria. On arrive sur la fin. On a la tension là. Hop, X-Drake. Elle doit être un petit peu plus lourde, ça se trouve on peut peser les boosters, donc faites aussi attention là-dessus. Toujours pas. Kaido, une SR. Toujours pas d'alternative. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Une rare, il en reste 5. Une SR à nouveau. Oh là là, combien on a de SR là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est la fin où on a nos cartes qui vont tomber. Oh là 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 là, jusqu'au bout, elle reste jusqu'au bout. Bon, il en reste deux. Il en reste deux. C'est parti, j'espère que les deux sont bien parce que sinon, bah, un petit peu triste. La Hancock, oh là 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 là, magnifique. La Hancock ici, donc la deuxième alternative que j'ai, c'est la Hancock. Bah super, super, parce que celle-là, elle coûte cher sur le marché, donc pour l'avoir, c'est pas facile. Et elle est vraiment sympa. Donc ici, et là, on a une dernière, une... Ah, une rare. Donc ça sera deux alternatives pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 super rares, donc il n'y a pas eu de secrète. Mais bon, voilà, donc... Le petit... La petite voilà l'unboxing avec nos deux alternatives ici, Boa Hancock et Kozuki Uden. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, une petite dizaine de minutes je pense. J'essaierai de faire plus rapide encore pour la prochaine booster box, en essayant de faire vraiment des trucs plus rapides encore. Donc parlez moins sur les rares, j'enchaînerai ici puis je vous dévoilerai ça. Comme ce que j'ai fait là, j'ai trouvé ça sympa au niveau de l'attention. Donc